Je sais, j'ai pas mes lunettes. Je les ai perdues. Bon, c'est vrai en plus. Bref, avec les grosses chaleurs qui arrivent, rien de mieux que de se fabriquer un bon climatiseur maison, pas vrai? Et au lieu de balancer 100, 200, voire 300 balles dans un climatiseur, je vous propose d'en faire un pour moins de 30 euros. C'est parti. Et je vous explique rapidement le fonctionnement de notre climatiseur. À l'intérieur d'une boîte en polystyrène se trouvent deux récipients d'eau gelée. Un ventilateur inséré sur le dessus va venir envoyer de l'air contre ces blocs de glace. La boîte étant fermée et très bien hermétique, l'air froid va rester à l'intérieur et ressortir ensuite par ces deux tubes placés sur la façade de la boîte. Un deuxième ventilateur est placé sur le devant du climatiseur pour diffuser l'air froid qui sort par les tubes dans toute la pièce. Sympathique, non? Pour ce climatiseur, vous allez avoir besoin d'une boîte en polystyrène, de deux tubes en plastique, de deux petits ventilateurs, de colle, d'un cutter et d'un récipient rempli d'eau. Je vais simplement commencer par remplir mon récipient d'eau et le mettre au congélateur pour qu'elle gèle. Il y en a pour quelques heures. Sur l'un des petits côtés de la boîte, juste ici, je viens tracer le contour d'un ventilateur. Pour ensuite enlever cette partie à l'aide de mon cutter en suivant bien le contour que j'ai tracé. Voilà, le ventilateur passe parfaitement. Et c'est important de couper proprement en suivant le tracé pour que l'air soit bien stocké dans la boîte et qu'il y en ait le moins possible à s'en échapper. Bien sûr, pour qu'il soit bien fixé, je rajoute de la colle encore une fois sur tout le contour du ventilateur. Et je viens le placer tranquillement dans le trou fait au cutter, tu vois ce que je veux dire, merci. Je vais maintenant placer le deuxième ventilateur, celui qui va diffuser l'air. Il va venir sur le couvercle de la boîte, juste ici, et il va être maintenu à l'aide d'une petite ficelle. Je fais donc deux entailles sur le côté du couvercle pour que cette ficelle ne bouge pas. Voilà, le filou tient parfaitement. J'ai placé les deux ventilateurs. Super, maintenant, place au tube par lesquels sortira l'air frais. Nous allons simplement les placer à côté du deuxième ventilateur. Toujours en traçant son contour sur le couvercle en polystyrène. Encore une fois, à l'aide du cutter, nous allons découper proprement ce trou. N'y allez pas comme des bourrins, hein, faut que ce soit clean. Bon, une fois le trou fait, on peut placer le premier tube en le vissant tranquillement. Voilà, excellent. Bien évidemment, pour le deuxième tube, c'est exactement la même procédure. On fait le trou et on place le tube. Voilà, le climatiseur commence à ressembler à quelque chose. Je l'allume, super. Les petites bandes de papier montrent que l'air sort parfaitement par les tuyaux. Fantastique. Maintenant que l'eau est gelée, je peux prendre les deux récipients et les placer à l'intérieur du climatiseur, l'un sur l'autre. Si vous avez un plus gros récipient que moi, vous pouvez aussi le mettre, bien entendu. Et c'est parti, voilà ce que ça donne en accéléré sur 10 minutes de temps. Il marche vraiment bien, nous avons gagné 8 degrés en 10 minutes. Super! Merci à tous d'avoir suivi cette expérience, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant ici. N'hésite pas à partager cette vidéo si toi aussi tu commences à avoir bien chaud et retrouve-moi sur Facebook et Twitter à Dr Nozman. A très bientôt, à la science.